David Util, réélu maire de Beaubassin-Rosil, a déclaré que cette réélection témoigne de la continuité des travaux déjà entrepris par la collectivité locale. Il a ajouté qu'il n'y a aucun souci à travailler en collaboration avec les membres du PMSD. Donc, l'EML finit toujours présent depuis 2014 au numéro 19 et au numéro 20. Donc, si Yenmouve, moi pas pour dire Yenmouve, mais plutôt c'est une continuité de travail qui nous fait faire pendant sa demande là. Désormais, nous finissons énormément de désaccords personnels. Nous vous dire, tout le temps, nous travaillons dans l'intérêt pour qu'il m'en quitteuse, moi, dans la ville. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qui, moi, apprécie que je finisse reconnaître le travail qu'il finit faire pendant tout ça, les temps-là. Et qui, je peux être d'accord pour venir donner un coup de main. Parce qu'il, nous besoin toute une équipe pour nous capables de travailler. Olivier Bob, porte-parole du PMSD, a fait écho à ses sentiments, ajoutant que l'intérêt des citadins de Beaubassin-Rosil prime sur toute considération politique. Il fédère nos devises, l'île Maurice avant tout. Et à chaque fois qu'il fait une motion, une décision pour prendre au sein du Conseil, qui est dans l'intérêt des citadins, nous ne pouvons pas hésiter pour amener nos contributions, pour collaborer. Et nous pouvons toujours pareil, nous pouvons toujours collaborer à chaque fois qu'il peut y avoir une prise de décision dans l'intérêt de la ville. Et nous ici, nous pouvons amener nos bonnes suggestions, nous pouvons amener nos pieds à l'édifice pour qu'il y ait un habitant sorti gagnant. Le nouvel adjoint au maire, Nazia Djengi, a également souligné l'importance de la continuité des projets en cours et futurs. La municipalité voisine, c'est celle municipalité qui s'en tout sur la ligne, il y en a quelques points encore nous faisons il y en a des trois chemins qui peut-être ne pensaient pas récolter, mais nous avons un drain qui nous peut faire. D'ailleurs, nous avons des déchets ce matin, et nous avons l'occasion de régler des déchets ce matin encore, mais le travail sera continu. Et nous cherchons qui nous pourrait ici, au plus vite possible, avec la collaboration, c'est sûr, adjoint maire, les maires sont autant, et les conseillers municipaux. A noter, le leader du mouvement libérataire, Ivan Colendavelou, a assisté hier à la réélection de David Util.